Une lecture du match, ben, je viens de le dire en conférence de presse. J'avais pris la décision de changer de système pour voir autre chose vis-à-vis de mon équipe et en pensant un petit peu peut-être au match de samedi qui nous attend. C'est vrai qu'en première mi-temps, on n'a pas créé assez de problèmes à Ofus. Ils ont été assez commodes défensivement, on n'a pas eu d'occasion de but comme je l'aurais souhaité. Et en deuxième mi-temps, on a essayé d'agiter un petit peu le match. On a fait un changement à la mi-temps avec l'entrée de Hicham pour Aïmoud. On s'est créé quelques situations, une occasion claire sur un corner, je vois un coup franc, je crois, de Farhan. Une tête de Didier, un tir de Boura assez loin. Après, c'est vrai qu'il y a eu 2-3 situations litigieuses dans la surface, des mains, VAR, pas VAR. Mais c'est vrai que face à une bonne équipe du FUS qui a très bien défendu, j'aurais aimé que l'on crée un peu plus de problèmes à l'adversaire. Ça n'a pas été suffisant pour prendre les 3 points. On y pense toujours. C'est bien d'avoir plusieurs cordes, plusieurs flèches à mon arc, comme on dit. J'ai pu voir un nouveau système avec mon équipe. On va garder les choses positives. L'équipe défend bien. L'équipe défend bien, je crois que ça fait 6 matchs. Je crois maintenant 6 matchs. Qu'on ne prend pas de but en championnat, c'est bien. C'est très bien. J'ai toujours dit que les championnats se gagnent avec une bonne défense. L'équipe défend bien, mais c'est vrai que j'aimerais que l'on crée un peu plus de problèmes aux équipes adverses. On va se servir de cette base défensive pour le premier match contre Hillel. Mais il va falloir qu'on s'améliore sur les situations et créer plus de problèmes aux équipes adverses.